چند منٹ اس کے بعد اکثر بات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد Chaque fois, je dis que si nous célébrons la naissance ou commémorons le martyr des imams ou des prophètes, c'est pour relater leur vie, leur caractère, pour pouvoir prendre exemple sur eux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate de vendredi que nous avons envoyé, c'est-à-dire Allah a envoyé un prophète, un messager. Pourquoi ? Qu'il vous enseigne, d'abord, il va d'abord réciter les versets, et il va vous enseigner le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse. Et avant tout ça, le point le plus important, c'est il va vous purifier. Et c'est quoi cette purification? Cette purification, c'est justement de croire en un seul Dieu, le Tawhid. Une fois que vous acceptez de croire qu'Allah est un, vous êtes déjà pur. Et cette purification est nécessaire. Je ne vais pas aller dans les détails, nous n'avons pas beaucoup trop de temps. Mais j'ai expliqué la fois passée que le prophète, c'est le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après lui. Et après ça, il y a 12 imams. Et il n'y a pas un 13e imam non plus. Donc notre dernier prophète c'est Mohammed et notre dernier imam c'est Mohammed aussi. Notre prophète a apporté le message et maintenant la responsabilité des imams c'est de protéger ce message, de le transmettre et de nous donner les exemples de comment vivre cette croyance que nous avons. Alors, première chose, les 12 imams, si quelqu'un vous pose la question, si vous regardez, les autres sectes ont aussi des imams. Mais il n'y a que nous qui avons 12 imams, et les 12 imams disent la même chose. La même chose que ce que le prophète a dit. C'est pour ça que le prophète a dit « Awwaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa kulluna Muhammad. » Nous sommes tous des Muhammad. Ça veut dire qu'ils disent tous la même chose. C'est une révélation divine. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut aujourd'hui prendre comme leçon? La leçon, c'est que pendant 40 ans, le prophète n'a pas proclamé la prophétie. Le prophète a été créé avant le monde. Le monde a été créé pour le prophète. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, d'abord, Allah a créé la lumière Muhammad, Nour et Muhammad. Le prophète a dit, « Awwaluma khalaq Allah Nour. » Et il n'a créé le monde qu'après. Et il a dit, je n'aurais pas créé le monde si je ne t'avais pas créé. Donc le monde appartient à Mohammed et à le Mohammed. Ça, c'est la première axiome qu'on doit nous montrer. Ensuite, pendant 40 ans, le prophète a démontré par sa conduite exemplaire et son caractère qu'il était notre modèle. Et le Coran le dit, Allah dit dans le Coran qu'il est votre modèle. Nous devons le suivre. Maintenant, comment le suivre? C'est très facile, je vais prendre juste un petit cas. Une personne demanda au prophète, recommandez-moi un acte qui peut m'apporter ceci. Que je sois aimé d'Allah, que les gens m'aiment, que je sois en bonne santé, que je sois à l'abri du besoin, et que j'ai une longue vie, et que je sois avec vous ici-bas et dans l'au-delà. Donc 6 points. Et ces 6 points résument la vie. Le premier point, que Allah m'aime. Alors, le prophète a dit, si tu veux qu'Allah t'aime, il faut que tu sois pur dans ta solitude. On a parlé de yuzakihim, purification. Il faut que tu sois pur dans ta solitude. Quand tu es seul, savoir qu'Allah t'observe et être convenable quand on est seul. Ça, c'est le plus grand
bien ou que Allah vous aime, mais il y a un verset du Coran qui dit Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous suivez le prophète, et Allah dit, donc Allah dit dans le chant, si vous désirez être aimé par Allah, fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire prenez-moi comme modèle. Yuhibbukum Allah, Allah va vous aimer. Le deuxième point, les gens m'aiment. Si tu veux que les gens t'aiment, ne jalouse pas ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. Ne jalouse pas les autres. Alors, les gens vont t'aimer. Troisième point, que vous soyez en bonne santé. Pour avoir la bonne santé, il faut donner la sadaqa. Il faut faire l'aumône. Chaque jour, prenez l'habitude. Chaque fois que vous vous levez, donnez de l'aumône. Cela vous protégera non seulement la santé, mais la journée entière. Et chaque jour, nous sommes tous dans des capacités où nous pouvons donner l'aumône. Bien sûr, on ne sait pas directement le distribuer, mais il nous est permis de garder des montants et puis aider ceux qui sont dans la nécessité. Troisième point, que je sois à l'abri, que je sois à l'abri du besoin. Et là, dit ça, c'est le zakat. L'aumône, sadaqa et zakat, ce n'est pas la même chose. Zakat, c'est des obligations que nous avons. Il y a le zakat et il y a le khums. Donc, si vous voulez être à l'abri du besoin, payez votre zakat, payez votre khums. Parce qu'avec ça, vous allez purifier vos biens, votre argent. On a parlé que nous devons nous purifier, Josekir, mais ici, c'est purifier ce qu'on a, et pour purifier ce qu'on a, il faut payer le zakat et il faut payer le khums. Ensuite, je veux une longue vie. Tout le monde veut vivre longtemps. On est tous dans le cas. Tout le monde veut vivre longtemps. La plus facile des choses à faire pour vivre longtemps, c'est sirren, c'est-à-dire avoir des bonnes relations avec ses proches et avec ses frères croyants. Ça, c'est très important. Si vous avez ces bonnes relations, vous allez avoir une longue vie. Dernier point, c'est non, le dernier, ça c'est le dernier point. Alors, il faut bien savoir, pour être dans l'au-delà. Le dernier point, c'était que je sois avec vous, ici et dans l'au-delà. Qu'est-ce que je dois faire, demande le prophète. Il dit des longues prosternations. Et il a dit que si vous saviez ce que vaut une prosternation, un sajdat, vous ne vous releveriez jamais. Vous ne releverez jamais votre tête. Je vous remercie d'avoir écouté. J'étais un peu trop rapide, mais on a pas de temps. C'est loin.